Alors, mes sources en fantasy, mythes, mythologie, légendes, contes et culture en général, donc culture indienne pour la BD Hayati, culture scandinave pour le jeu de rôle Islandigarh, par exemple. Quand on parle de jeu de rôle, évidemment, il y a Tolkien derrière, puisqu'il y a la fantasy, il y a des époques, par exemple l'époque médiévale au sens large, avec des gros guillemets, plutôt médiévalisant, et puis il y a des influences pour l'écriture qui sont plutôt musicales. Par exemple, Max Richter pour quelque chose de plus poignant, de plus lourd comme ambiance. Mes ambitions, c'est de créer des univers avant tout, des univers portés par l'humain et les cultures qui vont avec.